Des youtubeurs se transforment en enquêteurs et démasquent les principaux auteurs du meurtre de Jamel. Lynchage de Ben Smaïl, Rahabi réagit. Des youtubeurs se transforment en enquêteurs et démasquent les principaux auteurs du meurtre de Jamel. Depuis deux jours, des dizaines de youtubeurs se sont convertis en enquêteurs de la police judiciaire, en identifiant et en révélant le degré d'implication de certaines personnes dans le crime du jeune Jamel Ben Smaïl, qui a été lynché, traîné durant plusieurs mètres, pour être brûlé, puis égorgé, son corps calciné en présence d'une foule en délire. Les images de ce crime abject ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. La majorité des personnes le partagent avec leurs amis en privé, mais pas sur leur profil. Les youtubeurs ont recoupé toutes les images et les vidéos qui ont été publiées depuis deux jours. Certains des personnes accusées sur les réseaux sociaux d'être les principaux auteurs de ce crime abject ont publié des vidéos pour s'expliquer et donner leur point de vue de cette affaire. Mais ces vidéos ont joué en leur défaveur, puisqu'ils n'ont fait que confirmer leurs faits. Le plus bizarre dans cette affaire, certains n'ont pas changé de tenue et ont gardé les mêmes t-shirts qu'ils portaient lors de la fameuse vidéo. Pire, deux personnes qui ont participé au crime ont réalisé une vidéo où ils reconnaissaient leur crime. Autant d'éléments et de preuves vidéo à charge pour arrêter les personnes. Le travail le plus accompli a été fourni par le youtubeur Tarek Vlog, qui a réussi en l'espace de 24 heures à identifier les personnes en images et à publier leur nom et à filtrer leur profil Facebook. La vidéo a dépassé les 500 000 vues en moins de 24 heures. Le youtubeur a expliqué que les preuves sont là, il faut juste procéder à l'arrestation de ces personnes. Néanmoins, cette enquête a été déjà entamée par les services de gendarmerie et son service technique de lutte contre la cybercriminalité. De plus, tous les portables localisés dans la zone du crime ont été localisés et leurs propriétaires identifiés. Selon des habitants de l'Arbaa-Naïtiraten, une armada des éléments de la DSI, direction de la sécurité intérieure, de la gendarmerie est arrivée sur les lieux hier soir et a procédé à l'arrestation de plus d'une quarantaine de suspects. Le procureur de la République de Tizi Ouzou donnera prochainement une conférence de presse pour donner plus d'éléments sur cette affaire troublante qui a bouleversé la région. Lynchage de Ben Smaïl, Rahabi réagit. L'ex-ministre et activiste politique Abdelaziz Rahabi a condamné aujourd'hui l'assassinat odieux dont a été victime le jeune artiste d'Aïn de Fla, Ben Smaïl Jamel. Dans un post qu'il a publié aujourd'hui sur sa page Facebook et intitulé « Le temps de la fraternité, de l'union et de la responsabilité », Abdelaziz Rahabi a indiqué que le lynchage de Jamel Ben Smaïl, unanimement condamné, est un acte ignoble et relève d'un outrage. Il a, notamment, appelé la justice à faire son travail en toute sérénité et punir les coupables de ce crime. « La justice doit être rendue dans toute la sérénité et la rigueur, pour que force reste à la loi, en toutes circonstances et en tout lieu, avant de revenir sur la violence qui sévit dans notre société », qu'il a expliqué par plusieurs raisons, dont la généralisation du désordre. La violence est le produit de la généralisation du désordre, de l'inquiétante banalisation de la mort en Algérie et du recul avéré de l'état de droit, dont l'établissement est retardé par l'autoritarisme du pouvoir et l'archaïsme de ses institutions. Enfin, et pour ne pas sombrer dans le pessimisme, Rahabi a estimé que beaucoup de qualités existent au sein de notre société et que ce crime odieux ne saurait entacher les valeurs millénaires d'hospitalité et de fraternité de toute une région qui traverse une situation dramatique. Elle est portée par un élan national et spontané de solidarité et de compassion qui marque le temps de la fraternité, de l'union et de la responsabilité, a-t-il conclu. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.